virus mutant qui apparaît, un virus respiratoire mutant avec la même contagiosité, compte tenu de notre incapacité à lutter contre la contagion, parce qu'on ne sait pas le faire, par manque de connaissances et aussi par manque d'organisation sociale, eh bien, on ferait face à un désastre considérable. En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes. Les premières victimes auraient été contaminées sur ce marché aux poissons. Malgré des mesures drastiques, les autorités chinoises se veulent rassurantes. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, vient à l'instant d'annoncer qu'un cas de coronavirus est détecté sur le territoire français. Chaque fois que je sors dans la rue, que je prends les transports, que je prends le train, je me pose la question de savoir si je vais sortir sain et sauf de ce train ou si je vais repartir dans le même enfer. Dans quelques minutes, il sera midi. Des mesures de confinement strictes, les plus strictes d'Europe, seront mises en œuvre. Restez chez vous. Je pense très possible, effectivement, que le virus soit échappé du laboratoire de Wuhan, et pire encore, que ces travaux aient été financés par les Américains. Souvent, c'est terrorisme biologique, si vous voulez, donc d'inventer des virus. D'inventer des virus qui pourraient être utiles pour mener une forme de guerre bactériologique. Nous sommes en guerre. C'est pas des vaccins, c'est de la thérapie génique. C'est génétiquement modifié. En fait, des organismes génétiquement modifiés, comme les tomates, le maïs. Ouais. Mais ça n'a jamais été étudié, même chez l'animal, vraiment en grandeur réelle. Donc l'homme va être le premier cobaye sur Terre de cette technique. Mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Marie, tu dois y retourner. Sam, il n'y a plus rien depuis des mois là-bas. C'est dangereux. Ici, t'es à l'abri avec moi et les autres. Je comprends pas pourquoi tu vas aller risquer ta vie pour lui. Tu sais que j'aimerais que tu restes avec moi. Écoute, j'en peux plus là. Je dors plus, je suis sous tension tout le temps. Je suis pas prêt à élever un gamin dans ces conditions. Faut vraiment que je fasse quelque chose. Je préfère avoir mon mec stressé, fatigué, tout ce que tu veux, mais vivant avec moi, que mort je ne sais où, là, dans le No Man's Land. On n'a pas la même vision des choses.
Thank you.
Alors ? Tu l'as trouvé ?